C'est une saisie record que vient d'effectuer la Marine nationale en mer. Un impressionnant stock de faux médicaments contenu dans une trentaine de colis fermés. On y retrouve 26 spécialités médicamenteuses, dont des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des corticoïdes, des contraceptifs, des antipaludiques, du calcium, des antispasmodiques, des aphrodisiaques, entre autres. Au total, 37 958 boîtes de médicaments, tous confondus, saisies. C'est la deuxième saisie en quelques jours par la patrouille de la base navale de Douala. Il s'agit de la seconde saisie effectuée par la patrouille de la base navale de Douala, sous la coordination de leur commandant, le capitaine de vaisseau Fégué, qui agit sous la supervision directe du contre-amiral chef d'état-major de la marine. C'est un lot de faux médicaments qui comprend plusieurs spécialités. Pour l'instant, les déploiements sont en cours. Depuis quelques mois, la Marine nationale multiplie des actions fortes pour lutter contre le trafic de faux médicaments. Les contrebandiers font perdre à l'État des dizaines de milliards de francs CFA par an, y compris les risques sur la vie des populations. La saisie a été effectuée hier, le 4 juin 2024, au large des côtes. Et actuellement, nous sommes à 3 saisies depuis le début de l'année faites par les unités et formations de la Marine nationale. Donc c'est la deuxième par la base navale de Douala et la première a été effectuée par la base navale de Limbé. Ces faux médicaments de provenance étrangère seront comptabilisés par des services compétents en présence du gouverneur de la région du littoral.